Là maintenant on cogne juste comme des bœufs en espérant désespérément que ça passe. Enfin, désespérément, faut pas exagérer non plus. On finira bien par passer un moment ou un autre, mais ce sera assez catastrophique, quoi. Bah, de toute manière, on sait qu'on va passer. Le problème, c'est qu'il y a encore un peu de marge, quoi. Ah, ils vont tenir jusqu'en janvier, là, maintenant c'est sûr à 100%. Mais la Grande-Bretagne, elle est perdue. Mais le truc, c'est qu'il nous a compacté combien de divisions, même point le phosphore. Il y a entre 158 et 209 divisions. Alors, ça spam. Je vais rajouter aussi du casse dans la zone, j'en ai un peu plus. Putain, si seulement Joukov avait obtenu son trait de combattant des collines ou montagnard ou spécialiste des N'importe astres quoi. urbains. N'importe quoi, parce que c'est me débarrasser des malus aurait été juste énorme. Tu m'étonnes. En revanche, si on parvient à passer le fleuve, là, on est là, ce sera bonheur. Ce sera Buenos Buenos. Ouais, parce qu'après les collines, même si avec les chars lourds c'est pas très très bien, bah ça ira. Oh, t'as chopé 80 convois. Oui, parce qu'il a augmenté encore les livraisons de pétrole. Parce qu'il était sous le point de passer sous les 200 000. Donc, et sans J'ai mis les pétrole, bateaux. il n'y a plus de méca en fait. Sans pétrole, il n'y a plus de méca. Il fait tout pour maintenir l'approvisionnement. Par contre, ça me fait rigoler les deux divisions qui sont sur la petite île. Ouais. On les laisse là parce que c'est une prison à ciel ouvert, comme on dit dans le milieu. Bon, par contre, c'est énorme, mais Ascor, tu coules à peu près 5 convois par seconde. Je pense pas que le Britannique a une industrie pour tenir. Non, il l'a pas. Plus que 1260. Bon, on est coincé à 71 niveau truc et ça fait un moins 0,7 dans le tranchement. C'est pas ouf. Hein. Truc de dingue, je peux changer mon autonomie. C'est-à-dire tu peux être légèrement plus autonome? Ouais, je peux devenir une popette intégrée. Waouh! Je le fais ou pas, Score? Non. D'accord. Bon, de toute façon, c'est bon. Pas moi qui le fais, c'est lié à la prochaine partie. Il n'y aura pas de prochaine partie. J'espère bien. De toute façon, je pourrais pas la jouer. Je pense qu'à un moment elle se pointera la flotte américaine ou... Ah bah oui, ça de toute façon, à un moment il va se pointer, hein, ça faut s'y attendre. Le truc c'est, est-ce qu'il pourra m'affronter, c'est autre chose. toute façon, au pire, moi... Après, je sais pas si on serait encore là en septembre 45, mais juste pour ce soir rigolo, j'ai lancé la production de 11 Battle Cruiser 43. Au pire, pour le fun, si jamais il y a une bataille qui se passe, je viendrai. Je viendrai, mais bon. Je me suis fait capturer un agent. Oh le vilain! Alors. En fait, Oscar, ce qui serait pas mal, ce serait que tu débarques ici.
peux peut-être te placer ici. Ah, on n'aura pas le problème, c'est que j'ai pas les forces pour prendre le port en fait. Mon problème il est là. On peut toujours essayer, hein, mais. Ah, attends, j'ai une pénurie de caoutchouc. Non, par contre, un truc que je pourrais faire, c'est avec les paras, par exemple, tu vois, je pourrais prendre Londres. Ah, si tu pars à Londres, ça va le faire un peu paniquer, ça va être rigolo. Et en même temps que je fais les paras, ce que je ferai, c'est que j'envoie du. Sors-moi à la rigueur, si tu peux, d'autres Marines. Et moi, je vais m'occuper des paras, parce que je pense pas que j'ai une limite exceptionnelle pour les Marines. Yaike, pareil, fais des Marines si tu peux. Faites des Marines à la rigueur, on va faire ça en grande quantité. Je peux en faire une vingtaine de plus. Allez-y, sortez-les, et puis on va faire ça comme ça. J'avais pas touché du tout, ça va prendre un certain temps. Ah, je suis passé! Mais voilà, tu Oh, un truc de dingue! Vas-y, pousse dans la plaine, pousse, pousse, pousse! Poussez, madame! Chef! Chef, l'animal est en train d'entraîner des troupes! Non, c'est pas bon, c'est pas bon, là, t'as de l'infanterie dans la bataille au lieu d'être des chars. Oui, ça Bah c'est oui. vrai. Hop, bouge pas. Voilà. Pourtant, elles ont pas l'ordre d'attaquer. Ah si, elles ont toujours l'ordre en fait d'attaquer. C'est moi qui ai oublié de le poser. Bon, je n'ai pas perdu mon pari. Je suis heureux. Ouais, bah écoute, en même temps, t'as vu un peu comment il se cachait derrière le truc, quoi. C'était un peu trop. Ok, donc là ça marche. Donc là on va se déplacer et on va déplacer ça. Et Karma, du coup, t'avais voté oui ou non? Enfin, t'avais parié oui ou non? J'avais voté oui. Ah, donc c'était le seul perdant, en fait. Oui. Tu as eu confiance en Phosphore. Ah, Non, justement, j'ai pas eu Phosphore allait tomber. Et, grave erreur. Toute la partie, j'ai cru qu'il allait tomber, hein. Mais là, je suis très satisfait. Il aura pas. Je veux dire, c'est des bons terrains, quoi. C'est de la forêt, c'est de la plaine, c'est de la ville. C'est pas les montagnes du Nord, quoi. Je lance le débarquement à Mos pour te soutenir, résultat. Tu peux, il a totalement dégarni. Et en plus, mais cet animal entraîne ses divisions d'infanterie derrière le front. Ah, tu spaghettifies, tu es en train de te faire couper, Amos. Non, ça je crois pas. Si. Non, non, ça va pas durer. C'est une illusion d'optique. Si c'est une illusion dans ce cas. Bah vas-y, pousse à Londres, va à Londres, va à Londres, roule, roule, roule. Allez, allez. Vas-y, je te bloque les Hop flancs. là. Coucou. J'attends le l'event. Y a pas l'event. Oh la blague. Les chars lourds soviétiques sont entrés dans Londres. Ils viennent de franchir le pont de Londres. Le front est étrangement calme. La chute de Londres. C'est bon, j'ai fait un screen. C'est un véritable désastre. Une nouvelle conquête pour l'Italie. Bon, en fait, c'est plutôt pour le reste du monde, mais bon, ça faut pas le dire. Les Italiens sont très fiers d'eux, faut pas les. Comment cette dernière attaque là, elle est passée par où? À l'est? Ouais, Ouais, du à côté de l'est. Hull. À travers une rivière. Ouais. Oui, mais en fin de compte, c'est parce qu'il fait du roulement, mais le roulement, ça peut pas te permettre de survivre éternellement. Il y a toujours un moment où ça va se casser la gueule. Ouais, je suis Comment il bloqué aurait à 1000 de pétrole. pu... Comment il aurait pu faire alors pour bloquer éternellement? Bah, avoir des divisions qui ont une bonne attaque. Parce Par que là, contre, ces sur Londres, divisions, on elles sont va. full sur la défense. Sur Londres, on va. Hop. Ouais, ces Pas divisions tenir. sont full défensifs en fait. Donc le seul moyen réellement de tenir une zone, c'est en fait, certes tu peux défendre, hein, ça c'est pas un mal, mais il faut infliger très cher à l'adversaire en fait. Un potentiel d'attaque. C'est ça, si au final tu défends toujours mais sans infliger zéro dégâts, tu sers à rien quoi.
Vas-y, on peut se rejoindre, Amos. Voilà. Oui, on se rejoint. Bon, bah, la Grande-Bretagne aura capitulé ce soir, je pense. Oui. Bah, à moins que le Canada le fasse survivre, mais bon. Non, en vrai, si, de toute façon, même si le Canada le fait survivre, la partie elle est finie, quoi. Oui, la partie est finie quand même. Il a plus de convoi, il a plus rien. Ah, Amos, fais machine arrière, parce que sinon on va être coupé là. Amos, tu pousses trop loin. Non, mais il pousse trop vite surtout. Ouais. Il est encore coupé. Ah oui. Oh, cet animal. C'est une arme sociale, t'inquiète pas, j'envoie des tanks en soutien. C'est la lutte finale. C'est une illusion que tu es coupé du monde. Ouais, c'est un peu ça. Je te dis, si ça reste une illusion, c'est bon. Je vois beaucoup de vers n'empêche en Bretagne. Ah ben voilà, t'as perdu deux divisions. c'est triste, j'en renvoie deux autres. Amos au quotidien. J'en ai rien à faire. Bah franchement, vu la situation, là ouais, clairement. Et puis derrière, ça va un peu sauver son amour propre, donc on va laisser quoi. C'est pour lui qu'on fait ça. Alors ça, vous êtes fait capturer un agent au moment où vous êtes en train de prendre toute l'Angleterre. C'est ça. La flotte communiste mouille à Douvres. Ça pose un problème. Mais non, il n'y a personne à Douvres. Ah, ils sont où? Ah non, ils sont en mer. Tant que... Ça y est, de toute façon, il est bientôt à sec de pétrole. Et c'est pas notre cas, car on déborde de pétrole. Ah non, t'es en train de reperdre du pétrole. Bon, c'est pas trop grave. Ouais, attends, on est gentil. Tiens. Ouais, par contre, si on l'empêche pas de se fortifier là dans Liverpool et tout, ça va être un carnage. La Cornouaille est en train de tomber. Ah, oh, c'est nul. Finalement, Fosfor est en train de faire un last stand au Pays de Galles. Je coupe. Mais tes chars, on va les appeler. Comment on pourrait les appeler? Je sais pas. On va l'appeler Pouf, je sais pas. Ouais, voilà. Non, Scalpel. Car ça aura découpé le monde. Ouais. Bah, c'est fun. Arrête de casser mes délires. Hein. On regardait les pertes que t'avais subies en face de l'anglais. Ouais, j'ai bourriné sur la fin, j'ai pas cherché à faire de la rentabilité. Non, mais justement, du coup, il y a dû avoir du nombre de produits parce que rien que en perte, t'as pris 10 000 en Afrique et en Angleterre. Cumulé. Je suis en train de regarder la flotte de Unstar, elle a pas l'air mauvaise. Il a ses porte-avions 44. Mais ce qui est bizarre, c'est que... Bon, moi, je fais la recherche pour la bombe atomique, hein, je vous le dis. Tu fais pas les bombes volantes, les missiles? Bah, si j'ai pas la portée, il y a Cascor qui l'aurait. Moi, si je vais techniquement en Portugal, sur mais les je V3, construis. Sur les V3, t'as la portée pour tout. Mais, le V3, t'as la portée sur le monde, quoi. Je vais utiliser l'excuse d'Ascor, j'ai pas de place. Moi que j'ai pas de place, c'est normal que toi t'en aies pas, c'est pas normal. Ah, t'es le russe quoi. Eh vilain, t'as de la place ici. Ouais, j'ai encore de la place ici, mais vous comprenez ce que je veux dire. Arrêtez de me harceler. Mais là de toute façon on s'en fout, là c'est la fin là. C'est le fun. Qu'est-ce que ça va changer
Au final, rien du tout. Ça fait quand même plaisir de voir les troupes avec un casque Adrien en train de défiler en Angleterre. Toi aussi. De quoi ? Non, le... Rien, son nationalisme s'est réveillé. J'ai pas du tout. En fait, j'ai compris qu'il y avait des casques en Angleterre, mais j'ai pas compris le mot ensuite après casque. Casque Adrien. Casque Adrien. Non, mais ça, c'est pour se venger de la perfide attaque de l'Albion sur la flotte française en 40. Ah, les vilains. Ouais. Ah, les vilains. Verser le Kébir. Ouais. Qui n'a jamais eu lieu. Dommage. Tirer lui dans une galaxie lointaine. Une galaxie très lointaine, il n'a jamais eu de Marcel Kébir. Les charrues et les chars russes domineront le monde. Ah bah... Non mais c'est pas domineront, ils ont dominé le monde. Techniquement non, il reste encore un continent complet à prendre. Hein. Bon allez. Qu'on accélère tout ça là. Parce que, au final, là vous avez plus qu'à mettre les plans de débarquement, c'est parti. Hein. Tiens d'ailleurs, prenons une flotte. Bah, il va falloir fabriquer des trucs. Hein. Ouais, je peux te dire que techniquement, si t'as envie de t'amuser un coup à Skor. Non, je pense pas que t'as la portée, mais t'as la flotte américaine qui s'entraîne dans les côtes de la Floride. Non, j'ai pas la portée pour aller chercher. Allez. Finissons tout ça. A tout bien nettoyé là. Il a sorti quoi? Bah au final il a sorti 4 porte-avions. Il a sorti 4 porte-avions et le reste c'est du croiseur. Okay. Ouais, il a, par contre il a quand même chié un bon paquet de croiseurs. Ouh. Il a fait 39 croiseurs. Oula, l'encerclement en 28 divisions là. C'est pas dégueu tout ça. Vas-y, massacre. Utilise eux aussi. Certainement. Allez, pas. Allez, terminez-moi ça. Pourquoi ? Il n'y a pas d'intérêt. Ah. Ou ouais, Ascor, il charge, de toute façon. Donc... Oui, Ascor, c'est là. Ascor, il a posé son cerveau, il appuie sur tous les boutons. Techniquement, c'est pas faux. Tu appuies sur tous les boutons, là, tu regardes ce qui se passe. Ce qui m'amuse, c'est le fait que l'Américain a toujours mis 6000 avions. Mais j'ai pas l'impression que ça ait un effet quelconque. Alors, ah, en revanche, ouais, on peut toujours, si on bombarde le port de Liverpool, en revanche, toutes les troupes qu'il a à l'extérieur vont souffrir d'attrition, hein, parce qu'il a plus qu'un seul port. Oui. Comment tu as avec des avions. Après, il n'y a plus rien à l'extérieur. Ou bien sinon, ouais, non, quoique c'est. Là, on est arrivé à la limite de l'absolu, là, en fait. Non, mais tant qu'on y est, tu largues une bombe atomique sur Liverpool, hein. Bah non, j'ai pas encore débloqué la bombe atomique, moi. Non mais de toute façon, les gens, la bombe atomique ne servirait à rien pour une seule et bonne raison. C'est qu'elle est interdite. Non mais ça oui, mais là c'est pas le problème. Là c'est surtout, en fin de compte, il y a plus d'infra dans la zone de toute façon. Donc hormis. Non mais moi je les balance directement dessus pour péter son matériel. Hein. Ah, bah oui. Tu pètes le matos. Bah globalement, t'as vu le truc, 10 de méca, 9 d'infanterie, tu balances ça sur Liverpool, tu fais un massacre. Ou alors tu vides Leeds. Il a tellement de divisions dessus que ça ferait forcément du dégât. Ouais, tu ferais facile instant 300 000 morts. On va rajouter quand même le truc. Mais... N'empêche, 2,8 millions de morts actuellement pour le Commonwealth des Nations. Bah là, à un moment, il parvenait à faire à peu près égalité là, avec ce qui vient de se passer là. Après, tu lui en as tué 2 millions, toi, Amos. Fais un effort. Après, là, de toute façon, il subit déjà de l'attrition dans la zone, en fait, donc c'est qu'une question de temps, quoi, avant que ça cède.
faut que tu répares peut-être un mot infra dans la zone parce que c'est. Quelle infra? Elle est réparée là en fait, parce que j'ai pas l'impression. Je peux rien réparer, moi tout est à toi. Non, c'est moi qui dois réparer. Transfère tout là. Parce que c'est pas logique qu'avec l'Italie tu cherches à réparer là. Tu m'étonnes quand il y a un problème. Tu veux que je te répare quoi les... non, l'infra mais... c'est ce qui se répare le plus vite là actuellement. Transfère tout, je réparerai bien plus vite que toi. Si tu le dis. T'es en réparation focus? Non mais dans tous les cas j'ai de meilleurs trucs de construction etc donc ça jouera. Après je peux toujours me mettre en réparation focus, ça c'est pas non plus un problème. Tiens. C'est pas comme si on cherchait encore à faire de l'optimiser. Voilà. Hop. Alors qu'il y a un chat, il y a un chat parallèle maintenant, alors c'est. Ils disent dessus qu'il faut fusiller les dirigeants anglais. Non mais on va tous les aligner, t'es pas. Si c'est pour incompétence notoire, il n'y aura pas trop de difficultés. J'ai l'impression que c'est encore Fossoir qui est visé. Ah non, 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 c'était purement RP. Je ne visais pas Fossoir ou quelqu'un d'autre. Allez hop. Faisons des massacres. Je ne suis pas contre les chansons historiques, c'est juste que je sais pas si ça va me bousiller ma rediff si je les joue. Ça peut. Ça je peut. Crois que ça peut. Si ça parle d'exécution, ouais, vite. Non mais c'est... Oh putain. Oh, copyright. Mais parce que j'avais eu un problème avec une chanson d'Halloween que je n'ai pas diffusée. C'est juste que la personne qui avait été en face avait le micro ouvert. Mais tellement faible que ils ont détecté que la télé chez lui, que moi je n'entendais pas, il y avait une chanson d'Halloween. Et ils m'ont, ils m'ont enlevé mon truc. À ce niveau-là, faut vraiment quand même le chercher. Hein. Ouais. Ah mais tu sais, ils sont chiants que seulement quand ça les arrange en fait. C'est le souci. Tiens d'ailleurs j'y pense, on peut replacer placer tous vos espions dans la zone, c'est le moment. Mais moi il travaille, il charbonne. J'en suis à 48% de mon truc. Attention, ça y est, il a plus de pétrole. Bon bah, au moins. Ouais c'est fait. Il y avait de pétrole. De l'attrition. Mmh. La méca prend de l'attrition. La méca en a 2% d'attrition pour l'instant. Normalement la méca en fin de compte doit plus avoir de stats. Quand il n'y a plus de pétrole, t'as plus de stats. La méca, ouais, elle a plus que 300 de défense. Non, pour l'instant elle a que 8% de low supply. C'est toujours 8% de prix, hein, on va pas se plaindre. Non, c'est ça. Ouais, mais ça fait qu'augmente. Enfin, après ça fait qu'augmenter quoi, mais bon. Ça y est, elle commence à avoir le manque en carburant seulement. Ça arrive. Ça arrive. Elle voit ça, lack of fuel, 0% pour l'instant. Ça n'a pas encore l'air d'être trop un problème. Ouais, ce qui est un poil bizarre, mais bon. Zéro de fuel. De toute façon, bientôt il a plus de MP non plus. Alors, au final, j'aurais perdu 8 divisions blindées dans l'histoire. En fait, surtout, on est à tel point où le Britannique a plus de convoi, quoi. Par contre, j'ai juste l'impression là qu'on est en train de se susciter à répétition sur les sur ces trucs et ça a pas l'air de bouger. Ah, c'est pas qu'une impression, hein. Ah non, non, c'est ça, de toute façon, c'est. Mis à part. On va finir par passer, hein, mais t'inquiète pas, on va finir par passer. Il y a la dernière case des East Midlands, où vu que c'est de la plaine, vu que c'est de la colline, les chars passent, mais le reste c'est de la forêt avec de la boue, des trucs, ça passe pas. Sur la forêt, ça passera. Avec la boue, hein. Non, mais une fois que la boue sera partie, t'as pas de la boue toute l'année, heureusement. Tu vois, là, on vient de récupérer une case. Oui, non, mais c'était cette case que je parlais.
c'est vrai que le temps et la boue, ça aide pas vraiment. Pourquoi pas? Bah, ça diminue les valeurs d'attaque. Ouais. Chut. C'est faux. Ah, par contre, il commence à avoir une attrition sévère. Hein. Moins 10%, c'est déjà bien. Alors. En même temps, il stack tellement d'unités au même endroit. C'est débile parce qu'il a pas perdu tant que ça d'unités au final. Il a 120 divisions tout pile. Elles sont toutes là. Elles sont 120 divisions sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Il devrait tenter un Dunkerque en 10 fois plus grand et partir vers les États-Unis. Ça servira à rien. Bah, il mourrait cette division sur le passage. C'est des... Oui, de toute façon, il Ascor le choperait en mer, de toute manière. Ascor, et c'est 656 navires. Ok, what? Comment ça, 656? Bon, je m'en vais faire un reportage dans la poche de Liverpool. Très bien. Plus tard. 195 croiseurs légers, mais what? Oh, bah moi j'accumule hein, depuis le temps. Alors, niveau brut, tu bats des records. Allez, on est reparti pour un assaut. Est-ce que ça intéresse des gens, des chars amphibies? Voilà, ça changera plus rien. Là. Bon, je m'amuse, ouais. Donc je vais comment faire. Et là, c'est bon, là, ça va casser. Là. Il n'y a plus de stats. Il n'y a plus de stats, il n'y a plus de phosphore. Est-ce qu'il a encore au moins du rosé? Ça faudra lui demander. Phosphore, du rosé. Il n'a pas rare d'en boire, c'est pas légal. Bah, mettre 120 divisions comme ça, c'est pas légal. Non, ça on n'a pas demandé. On n'a pas demandé si 120 divisions comme ça c'était légal. Ouais, la case de forêt va tomber. Ouais. Par contre, le fait qu'il y ait de l'entière dans ces trucs, ça fait qu'il abat tellement de cases. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre là? Là, c'est plus. Si on était sur une partie en question de rentabilité, je te l'accorde, ce serait la merde. Mais. À partir du moment où t'as mis 4800 cases au-dessus de 4 cases. A plus grand chose à foutre. Ah, c'est à peu près ça l'idée. Et là, tu vois, le truc c'est qu'on attaque tellement de tous les côtés en même temps qu'au final ils ont pas le temps de récupérer leur orga et donc au final ça tombe. Voilà, ça va finir par tomber. Avant que mes boom-boom y sortent, c'est dommage. D'ailleurs, pour la victoire, faut pas oublier que vous preniez Lidemann. Ça, je pense que là, on est à un détail, là, mon dieu. Là, niveau build, niveau comment ça s'appelle, chipoter, là, tu fais fort, Karma. Allez, oui, on chipote. On va te l'accorder, on va aller la chercher. Parce qu'on sent que c'est vraiment très, très, très dangereux comme île. Il faut la capturer. Qui sait, peut-être que les Britanniques lanceraient un D-Day à partir de cette petite île. Oui. Tu laisses faire un débarquement là-dessus, Ascor? Ouais, je suis en train. Bon, bah, du coup, Anson nous aura fait le flotte, mais pour rien. Enfin, je
dis ça, mais enfin, surtout on l'a pas vu quoi, la flotte Hamster. Bah, il est en train de la préparer, mais c'est comme tout, c'est long quoi. Donc, de toute façon. On... Ouais, mais genre, vu que la partie se finit à la chute de Phosphore. Ah, mais en même temps, il est toujours pas prêt. Il regarde par exemple, il a effectivement les porte-avions, il a les navires légers, mais il a toujours pas les cuirassés plus récents. Donc là, en fait, il y a toujours pas les moyens. Surtout que moi j'ai grossi donc. Non, mais il y a grossir, devenir énorme. Non, toi, mais t'as là, battu tous les records. Là, ce que je veux te dire en fin de compte, c'est qu'actuellement, même s'il sortait toute sa flotte, il a aucune chance de gagner. Donc autant qu'il attende les nouveaux navires et qu'il tente un truc. Mais. 32 battle cruiser. Hop. Tu produis quoi en fait avec tes 3 millions de dockers? Bah, de tout, du croiseur de bataille, du sous-marin, du croiseur léger. Ok. Plus qu'un mois et j'ai mes. 3 mois et j'ai mes bateaux qui sortent. Putain, on se fait chier sur ce con. Non, mais Sheffield, c'est n'importe quoi. Vous voulez pas passer en x4 parce que là, bah, on se chie. Ça tombe à chaque fois en fait. Ça tombe à chaque fois. Liverpool va quasiment tomber. De toute façon, tout va tomber là. Même Manchester, ils sont prêts de céder. Leeds aussi. Liverpool est tombé. Liverpool est tombé. Et c'est une. Voilà. Capitulation. GG. On s'arrête là. Ah, bah oui, résultat, c'est vrai. On a. Non, il manque les îles, on peut pas finir la partie. On a le Canada. Mais non, c'est bon, les îles, c'est fait. Regarde. Non, il manque ça et ça. J'y vais. Oh, le Canada, il est beau. Vas-y, fais ton bâtard. Hein. Fabrique un petit port à un endroit un peu bâtard et puis on part de là. Pour l'invasion des USA. Vas-y, go. Non, c'est bon, mets en pause, on s'arrête là. Oh, attends, je lui prends sa dernière île, comme ça il est content. Voilà, celle-ci est tombée, l'autre va tomber aussi, voilà. Sort toute la flotte, mais les 6000 navires. Que j'aurais aimé qu'ils survivent à la fin pour qu'on fasse qu'on les tue tous dans l'encerclement géant. Bon, c'est vrai que ça aurait été énorme quand même. Bon bah on est au 30 janvier 1945 et on peut officiellement dire que bah non, on a gagné. Ascor, tu voudrais pas mettre absolument toute ta flotte autour de la petite île? C'est ce que je suis en train de faire. D'accord, nickel. Juste envie de voir à quel point ça fait beaucoup trop de monde. On va tous mettre tous nos bateaux autour juste pour faire. Juste pour montrer à quel point le communisme c'est puissant. Par contre j'ai juste besoin de ça et j'ai besoin de ça. Ouais, j'ai une centaine d'usines qui ne tournent même pas là. On est au point, on n'a plus rien à faire de tout. J'ai 140 usines militaires qui ne tournent pas et j'ai 100 chantiers navaux qui ne tournent pas. Moi j'essaie de donner un travail à tous mes scientifiques, mais bon, c'est-à-dire que j'ai plus trop d'idées quoi. Allez hop, vitesse 5 même carrément, on s'en fout. On lance. On a plus rien à foutre. C'est ça, et là hop, on redispatche tout par contre pour viser au nord. Visez au nord. Les 25 navires, c'est tout ce que t'as? Non, mais j'ai pas tout ramené en fait, ça fait trop de monde à bouger et tout. C'est trop chiant. Ouais. Donc on prend cette île et puis c'est fini. Bon, ça fait une partie très intéressante. Ça aurait été long. C'est ça. C'était fun. Je suis en train de rattraper mon retard technologique. Hein. Dans 90 jours, j'ai le Yak 3, donc l'avion de 45, enfin de 44. Moi, je vais m'abandonner l'idée d'avoir des trucs comme ça. Ouais, non, mais en fait, c'est parce que moi, j'ai fini toutes les autres recherches qui m'intéressaient. Bon, allez. Hunster! Yo, Hunster. On va bien aller me coucher. Déjà? Bah. Oh la vache. Bah, en même temps, il est minuit largement passé. Hein. Fonction sur.